Salut les amis, bienvenue sur mon stream, bienvenue pour cette petite session version intense de DBD. Donc voilà, je viens vite vous présenter la nouvelle version d'ombre qui sortira en Halloween, qui s'appelle... Michaela Rey. En fait, c'est une sorcière et elle a l'air très très intéressante. Je l'ai un peu testé en offline, je le nie pas. Et elle a vraiment des perks de broken. Donc en gros, elle a quoi comme perk? Bénédiction de secte de soins. En gros, j'explique en vitesse. La bénédiction de soins de cette perk permet de... Bénédiction de soins de cette perk permet de... Quand tu fais un totem, tu peux que tous les survivants peuvent se régénérer. Et tu fais aucune trace pendant le truc. T'as aussi bénédiction réparée d'âme. Là, j'ai pas encore testé celui-là, mais j'ai testé celui-là par contre. Bénédiction qui porte le réconfort au sein de la terreur. Appuyer et mettre une action secondaire très près d'un totem passif ou ensorcelé pour le bénir. Et créer un totem de bénédiction. Le tout amplement résonne dans le rayon. C'est la même chose. Il y a aussi sa perte clairvoyance. Un énergie instinctive qui voit au-delà de votre vision clairvoyante s'affiche chaque fois que vous purifiez un totem. Déjà les trois perks, moi je dis elles sont déjà broken. Broken de chez broken. Je n'ai jamais vu un perso aussi. Je sais pas s'ils vont le sortir dans cet état là, mais s'ils le sortent dans cet état là, selon moi, ça va être là le berceau. Ça va être le survivant méta, selon moi. Selon moi. Ah, on m'entend pas fort. On n'entend pas fort quoi, le jeu. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, c'est la fin du totem. Non, salut Pulpi, comment tu vas? Ouais, vraiment c'est broken, je crois que ça va être le perso le plus pété que j'ai vu actuellement quoi. Pour moi ça va être le perso méta. Et donc non, ça va être moi je crois que ça a dit. À un moment donné, je crois qu'il devrait être le premier, parce que là c'est déjà pété de chez pété. Si le sort dans cet état là, ça va se lancer, ça. Voilà, ça se lance.
le premier prêt. Excusez-moi. Et les persos, il y a des persos qui vont être buff à la prochaine extension. Hein. Le spectre est buff, le spectre a été buff. Beaucoup de persos ont été buff. Et beaucoup vont tester la méta parce que. Enfin, la méta, on peut appeler ça une méta, mais c'est plus un public test. Un public test bin. Ou un PTB, comme on appelle ça aussi un PTB. Moi j'appelle ça un public test build. Ça porte aussi un nom, mais voilà quoi. Oh là là. On m'entend pas assez fort. Là on m'entend. Là je crois qu'on m'entend. Hein. T'es toujours là, Culti? Dis-moi si tu entends bien mon son, si. Si tout se capte bien, c'est. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, voilà. Bah. Sinon, j'espère que ça s'est bien passé pour ta semaine, pour toi. J'espère que ça se passe. Qu'aujourd'hui, tu as une bonne journée, voilà quoi. Tu as profité ton mercredi. Les chargements sont longs. En fait, ce que j'ai dû faire aussi, c'est important de finir. C'est pour ça que je suis pas avec les gens avec Stark, Capitaine, Clonoa, etc., etc. En fait, ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû désinstaller carrément le jeu Dead by Daylight et réinstaller Dead by Daylight en PTB. Donc en gros, c'est comme si j'étais dans une bêta en fait. Non, ça sera pas possible, Gulti. Non, je viens de l'expliquer, c'est pour ça. En fait, moi je viens de désinstaller Dead by Daylight pour tester le nouveau perso. En gros, le docteur a été bof. Hein. Ah ouais, moi je suis déjà pris, ok. Non, en fait j'ai dû réinstaller le jeu en fait. J'ai dû réinstaller carrément le jeu pour tester ce perso. Il est vraiment broken. Hein. Je l'ai vite testé offline avant de le prendre. Avant de jouer. Donc du coup je pourrais pas jouer avec mes potes. Pas avant demain. Et voilà, regarde. Totem béni en gros. Ce que je vais pouvoir faire quand il va me libérer, c'est que je vais pouvoir me soigner. Et vu que le totem est resté près de moi, qui est complètement. Non. Soigner. En gros, maintenant, voilà, je suis dans la bénédiction, je peux me soigner. Et le tueur ne me voit pas.
je trouve ça complètement broken. Tu fais un totem, et tu peux soigner tout, et tu te soignes tout seul. Et en plus, le pire c'est que tu vois le totem, c'est ça le pire. Le pire c'est que tu vois le totem, c'est ouf. C'est complètement broken, j'ai jamais vu ça. Enfin, le concept du perso il est bien, mais je le trouve un peu... Comment dire, un peu pété. Enfin, vu que je fais aucune trace, il peut pas me voir. C'est pas où je suis. Ça, c'est la force de la bénédiction. Et là, vu que le truc a été fait... Non, je vous montre, je vous teste. Je teste pas pour vous montrer. Mais j'ai jamais vu un perso. J'espère qu'il y aura des noms qui vont corriger tout ça, parce que pour moi, c'est déjà abusé. Tu te soignes, il te tape, il te voit pas, tu laisses aucune trace. Pour moi non, c'est complètement fou. Jamais vu un perso aussi dangereux. Aussi dangereux pour un tueur, quoi. Enfin, moi c'est mon avis, hein. Que j'étais en train de montrer à ceux que je joue le perso, parce que eux ils veulent pas faire le test public, que je peux comprendre, parce que réinstaller un jeu, désinstaller tout ça, Après je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Voilà, tout a été résumé. Merci, mon cher Modestar. Mon cher Modestar qui est présent avec qui. Et qui fait son Bouddha comme d'hab. Hein. C'est du Stark. Hein. Stark peut faire du Stark en fait. Eh, Stark, tu t'imagines? Attends, que maintenant je vois cette perc-là, tu vois? Tu t'imagines cette perc-là avec ces deux-là? Je pense tout juste à l'instant, hein. Ces deux percs plus. Celle-là, c'est pas encore plus pété, selon toi? Avec petit gibier, plus c'est deux qui mets en combo, c'est bénédiction répare de l'âme, bénédiction sert de soin, plus petit gibier. Ce serait pas pété selon toi? Ah bah c'est barré comme d'hab. Hein.
Mais sinon, moi je pense aussi à un autre truc, parce que toi tu pourrais le faire avec ta perso. C'est quoi encore? Celui de Resident Evil. Tu mets ces petits gibiers, les deux paires de ce perso, plus, c'est le truc, c'est pire, qui y est. Plus ça, t'es pété. Tu peux rien faire. C'est complètement. Par contre, je la trouve super stylée, hein, perso. Oh, moi, je crois que je vais l'acheter direct, tu vois, ça. Ouais, mais tu t'imagines le build de totem que tu ferais? Tu fais du soin, du réparation. Ouais, non, ça pourrait être un build de totem complètement broken. Pour moi, ça pourrait être broken. Enfin, je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais déjà les pertes de ce perso est déjà broken. S'il le sort comme ça risque d'être broken. Mais voilà, moi, déjà un but comme ça de totem hein, avec ces trois trucs là, ça peut être une tête pétée. Moi je vous dis, les gens qui regarderont la rediff, parce que je sais bien que je vais mettre la rediff sur YouTube, gardez bien vos icônes de irisées et gardez bien vos points de sang. Hein, parce que ce perso là risque d'être cheaté. Risque de devenir méta. Le perc qu'il a risque d'être méta à mort. Je ne dis pas ça pour rigoler. Franchement, vous avez intérêt à garder vos points de sang. Je ne dis pas ça pour rigoler. Vos points de sang et vos éclats irisés. Parce que ce perso-là, il va être pété. Je vous l'annonce direct. Hein. Le stack qui est là peut en témoigner. Hein. Je dis jamais ça, mais je. Et même lui, quand offline, j'étais en train de tester, il me disait, ouais, non, c'est abusé. Mais je vous le dis, moi, ce perso-là, il va être broken. Hein. Broken de chez broken. Regardez si elle a normalement il n'y a pas de tenue. Hein. Il y en aura là à la sortie du DLC, mais. Non, il n'y a pas. Non, il y a vraiment. Il y a que ça. On va voir si on peut ça, mais je pense que la boutique, c'est pour voir la boutique après. Mais il n'y a rien à... Et attends, non, mais c'est vraiment rien à grandir. Attends, les gars, vous avez bien vu la même chose que moi, c'est bien rien à grandir.
Harry, Anna Grande sur DBD, quoi. Ok. Je vais me rapprocher un peu de la caméra parce que je trouve qu'on voit trop loin. Non, il y a Ariana Grande qui joue à DBD, les gars. C'est pas une blague. En tout cas, pour cette game, je joue avec Ariana Grande. Si c'était vraiment elle. Merde. Ah mais je suis un carré à ma grande. Mariana, mais tu m'as fait quoi? La star de la pop, c'est pas les stars des jeux vidéo, hein, je vous le dis. Hein. Le totem qui va être fait. Non, je pensais. Totem de feu. Venir. Le voilà, le bénir. En plus de... Putain, les stars de la pop, les gars... Putain, merde. J'ai même pas pensé. Non, pas Ariana! Pas Ariana Grande! Moi, je suis mort aussi, hein. Quand je vous dis les stars de la pop, ça pas au jeu vidéo. Hein. Ha!
me laisse pas crever, vache! Ben voilà, je suis mort. Voilà. T'as béni, mais il sert à rien. Putain, moi je crois qu'il va l'acheter moi, directement, moi. Après il sort. C'est une blague. Elle a plus de pain que moi, c'est une blague. Ah, il y a mal. Grande blague. J'ai l'impression de pas lui. On a pas eu de chance, hein. Et salut tous ceux qui viennent d'arriver, s'il y a de nouvelles personnes. Bon, j'arrive, je vais tuer une cop.
Me revoici. Me revoilà. Ça va être bien plus efficace. Et j'ai là. Bon, je peux pas me lancer. Donc je vais mettre une compétence. Je vais mettre ce trou là. Qu'est-ce que je fais? Il a été bof. Ah!
Dans une ferme, merde. Je sais pas si je peux me soigner tout seul, je peux monter. Ah non, sinon... Ça aurait été trop... Hein. Mais voilà, la game est finie. Hein. Vas-y, je veux tout. La gueule, c'est fini.
bon. Alors la game va commencer les gars. Une heure qui a commencé, mais le problème c'est j'ai l'impression que les games sont courts et le temps de chargement est trop long. Là ça c'est une bonne paire. Château de riz. Thank you.
t'as du totem. Je vais voir si tu peux faire ça. Ça, t'es comme ici. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. J'avais pas vu, putain. Je pense que je m'en sortirai mieux quand j'aurai la peur. C'est parce que j'ai pas encore la peur. Et je pense qu'il y a un build avec les totems que tu peux faire, c'est vraiment bien. C'est moi qui fais un sale truc avec elle. Oh le corps. Putain, il va me suivre, hein. Bizarrement, non. Ben, moi, il y a un totem. J'en vois pas. J'en ai vu zéro. Je suis trop focalisé en fait. Je pense qu'on est tous trop focalisés sur les perks. Et on ne joue pas comme on doit jouer correctement. Ça trouve assez stylé hein, pour le perso. Hein.
Moi j'en connais un, quand personne va sortir. Je rentre déjà le perso en premier fois. Pour moi aussi ça donne un avantage à ceux qui font le version test. Hein, parce que si tu fais la version test, il a auto son numéro. Je vais essayer de plus jouer mon jeu et arrêter de faire le coup. Oh là là. Eh mais c'est mon petit citron vert, comment tu vas? Je te vois que t'es là mon cher Vortex. Comment tu vas plutôt? Comme tu vois, je joue le perso qui va sortir bientôt dans DVD. T'es avec Star, t'es avec tout le monde.
très attentivement mes viseurs. Ah putain, avec eux, je vois ça, je vois ça. Coucou. Est-ce que Dark parle encore sur moi en disant que je l'ai abandonné ou ça? Ou tu dis encore des trucs? Il n'y a aucune chance, comme d'hab. Hein. Ah ben, Vortex est parti.
peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ah!
tente. Je tente. Comme je sors. Bon ben il y en a juste là, je vais juste ouvrir ça. Dans la zone. Il viendra pas dans cette zone. Moi je vais faire la zone avec le thème. J'en ai déjà trouvé deux, hein. J'ai plus de les faire. Hein. J'ai pas annulé la monnaie du son, pas du tout, non. Comme ça, il ne verra pas avec, avec mes compétences. Ah, on peut en faire que deux. Ça, c'est intéressant. Non. Ouais, c'est genre les actus trouvés, hein. C'est bon parce que là on a tous deux. Ils ont pas le choix de partir. Je vais quand même sortir la dernière, c'est ça, on voit qu'il y a des couilles. Hein.
façon, il peut. Je ne peux pas faire le mandat avec le tueur. Il va vers la boîte. Cool. Je l'ai du gros pute. Coucou les gars. Salut. Salut. On est passé sur mon stream, ce que je vois à Vortex. Je suis passé sur ton stream, je crois. Oui, je suis passé sur ton stream, mec. Hein. Mmh. Ah, mais je pensais t'avoir vu. Je teste de nouveaux persos. Hein. Sur DBD, vraiment. Au calme. Oh, bah, du coup, il reste plus que des gènes en fond de map, donc c'est parfait. En plus, ils sont bien séparés l'un des autres. Nickel. Et de Jiro, ouais. Moi aussi je joue à DVD, mais la version publique là. Bêta test là, le. Ouais. Ouais, je suis en train de tester. Et là. Il est tout près de la cabane du chasseur. Aujourd'hui je pourrais pas jouer avec vous, malheureusement. Le gène tout près du bâtiment principal, il en est à combien de pourcents? Le presque fini. Attends, si je vous invite, y'a moyen de vous inviter? Ouais. Non, y'a pas, c'est pas possible, non. Non, on pourra pas jouer. Hein. Non. Je vais avoir connu le jeune. Non. Et là, je t'ai envoyé. Vu qu'on est pas sur, sur le truc, on pourra pas. Il arrive sans moi. Okay. Par contre, les portes, elles sont collées. Ouais. Elles sont toutes collées. Les portes sont vraiment collées, ouais, c'est abusé. Par contre, perso, pété, hein. Je vous l'annonce, hein. Mmh. Je sais pas si c'est ça que je vous l'ai dit. Non, mais bah, j'ai vu les perks de la nouvelle survivante, elles sont vraiment trop fortes. En gros, tu peux. En fait, forte, oui et non. Parce que, ouais, quand tu regardes comme ça sur le papier, c'est vrai que ça a l'air fort. En fait, dans le jeu, ça va. Si tu te fais attraper par le. Par le tueur, bah, ta perte est annulée. Ouais. Le totem... Bah, c'est comme un totem sort, mais bon, voilà, c'est... Le totem, il peut l'annuler. Et en gros, t'as un certain kilomètre à passer pour que les deux perks s'activent. Sinon, ouais, non, c'est... C'est vrai que c'est assez pas mal, on va dire. C'est vrai que c'est assez spécial comme perk. Mais je crois que ça va être pété. Oh. Et encore, je suis encore. J'ai vers la porte près de la cabane du chasseur, là, enfin, du jeune que j'ai fait. Je vais ouvrir l'autre. Ça peut le faire. Vas-y. Là-bas. Ah merde. Vas-y. Par contre, la bonne nouvelle, quand j'aurai la survivante, j'aurai déjà niveau 10 ou 15. Ça se prouve. Et je pourrai la jouer comme si je venais de l'acheter. Ah, t'as pas été à la bonne. Mais gros, elle me saoule. Il est là, Jérôme? Parce que je l'entends pas parler. Non, je l'entends pas non plus. Je dis plus grand chose, c'est tout. Eh, mais quand même, focus sur le bout de la map, quoi. Ça va aux portes, c'est tout. Mais voilà. Elles sont où les autres, là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, ils ont pris la trappe. Oh ouais,
Mais quel monde de pute. Putain, mais vas-y, ils auraient pu safe quoi, enfin, je sais pas. Ok, bah je suis mort. Bah ouais, mais what the fuck. Bah c'est des joueurs console, hein. Faut pas leur en vouloir. Oh, mais bon, frérot. C'est marrant, je me suis accroché, hein. Je meurs, hein. Bah ouais, mais putain, mais c'est juste des connasses quoi. Oui. Ah, il avait deux perses quoi. T'as quoi? Le chip que je me suis ramassé. C'est quoi le chip? Un truc que font les noirs là. Ah ouais, ouais, avec Juliette. Non, mais envoie pas un message. Ils sont sur console, ils reçoivent pas. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour le cœur. Ça devait bien chiller barbecue, ouais. Et moi ça peut, moi je peux plus, moi pour le moment je peux pas jouer contre des joueurs console vu que je suis en version Mais tu peux désactiver le truc pour jouer avec des joueurs console. PTP. Ouais, mais avec la version test public je peux pas. Ouais. Ouais. Il y a pas sur console moi. Putain, mais la Fengmin elle a rien fait de la game, frérot. Ouais, bah moi un peu j'ai pas fait grand chose. Bah mec, t'avais 19 000 points, tu t'es pas échappé, là on avait 17 000. Ah, c'est échappé par la trappe. Tu gagnes 5 000, hein. Hein, pas de... Tu t'échappes, tu gagnes 5 000, hein. Ouais, mais tu gagnes 3 000 en plus en objectif par la trappe. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est pas 2005. Non, c'est 3 000. Et y'a pas de... de totem ici à bénir. Over. Vas-y, on enchaîne Toshiro, j'arrive. Ouais, je prends juste. Et sur ma trousse de soins. Et par contre, il y a eu des buffs, hein, sur certains persos. Ah ouais, je sais. Je suis tombé sur eux, vraiment le docteur pété, hein, maintenant. Le docteur, il a pas eu de changement, hein. Bah, le docteur est devenu pété, le cochon, je suis tombé off-train tantôt. T'as déjà. Cochon, ouais, le cochon, lui, est devenu vraiment très très fort. C'est abusé. Mais docteur, lui, il a rien eu hein, comme changement. L'épidémie, par contre, elle a bien été buff. Hein. En même temps, la personne n'était pas fort jouée. Hein. On était aussi que cette personne n'était pas fort jouée. Oui. Si tu sais pas le disparaître central, va en encodage. Hein. L'ARP, pas l'ARP, l'esprit a été nerf, le trappeur a été buff. Le lance-mort a été nerf. Voilà. Le trappeur, ouais, il a... Il a été buffé. Il a été buffé, ouais. En niveau vitesse, il va plus vite, hein. Là, je suis en train d'affronter, hein, si vous voulez passer sur le stream. Bon, t'inquiète, t'inquiète. Oh non, ne dis pas qu'il vous dit camp. Ah non, mais c'est vrai, je suis sous. C'est vrai qu'avec la perche, j'ai sous la réserve, si j'avais oublié ça. Si tu fais comme ça, mais j'avais. Parce que sens, j'avais eu peur. De mobile. T'as dit quoi, Jérôme? Du coup, j'ai pas entendu. C'est voir le disparate central, voir en encodage ce que j'ai dit, t'avais répondu quoi? J'attends déjà la réponse. Ouais. Apparemment, Alain n'a rien dit, donc je ne sais pas. Comment ça, Jérôme? Bah. C'est pas comme si on cherchait, je crois. S'il te plaît. Mais en fait, Alix part, donc il manquera une personne dispo en fait. Ouais, mais je. Ok, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire par une arrière-dite. Bah, Alain a rien dit, donc ça. S'il a rien dit, c'est que, c'est... à mon avis, on recherche pas, tu vois. Bah, j'imagine, je sais pas.
aussi. Non, mais ils sont partis, les autres. Ouais. Vas-y, je prends un petit gibier. Bushido. Putain, on est à gauche. Ouais. Désactivé, là, désactive mon truc, putain. Là, je vais devoir faire très attention pour voir s'il ne me voit pas. Pour moi, c'est trop bien. Oh, il a le truc qui va de... Oh putain, l'enculé! Mais du coup la prochaine mise à jour, le gameplay de DBT va beaucoup changer, hein, c'est incroyable. Bah déjà je le vois, hein, vu que moi je suis dans la version test. Ouais non, y a vraiment du changement, hein, je peux déjà t'annoncer rien qu'à regarder. Donc Zoé Saldana, qui est une actrice, c'est la seule actrice au monde à avoir joué dans deux films, et ces deux films ont rapporté au moins 2 milliards au box-office mondial. Et c'est la seule femme. Quels sont ces deux films? Comment son nom? Zoé Saldana. 2 Overwatch et Overwatch 2. Bien joué. Non, c'est pas... Un jeu que dans deux films. Un jeu... Non, pas que. Mais... Ah. C'est les deux. C'est la seule femme qui a deux films dans sa cinématographie qui ont dépassé les 2 milliards. C'est pas les Galaxy truc là, Avatar. Si, exactement, mais tu as. Avatar est toujours mieux. Je sais que tu as été merci Google. Merci Google. Non, j'ai beaucoup fait parce qu'il ne bougeait pas Toshiro, donc il a Google. Ces trucs. Matt se fait des films qui disaient. Qui avait parlé d'elle. Avec. J'ai découvert un nouveau rôle pour toi. Tu vas jouer Marc dans les Simpsons. Comme ça, elle passe du bleu au vert au jaune. C'est qui le tueur? J'ai pas vu, je suis passé devant, mais. Mais dis-moi, Brandon, c'est que t'as pété rigolo, toi, quand même. Ouais, bah c'est avec la vidéo de Matt, ça fait des films, mec. Faut regarder. Non, mais c'est mort. Meilleur youtubeur belge. Non. Oh, oh, oh. Quoi, t'as problème, toi? Oui. Y'a le meilleur. Le Joker, là. Comment? Ah, ouais, le farceur. Le meilleur streamer belge, je ne sais pas qui c'est, les gars. C'est Spark. Enfoiré. Franchement, je suis déçu, hein, là. Vortex, c'est... Oh, le meilleur streamer belge, c'est moi, non, je suis pas d'accord. Oh, Spark. Il y a un totem tout près. Il est peut-être en haut, hein. Je pense, ou alors, il est derrière. Ok, j'ai trouvé. Il est immortel. Il est immortel, hein. Ouais. Ah, j'ai pas vu, ça avait ruine du coup. Ok, il y a ruine, il y a ruine. Ah, voilà pourquoi il est immortel. J'ai un totem normal. Il y en a un qui est... Il y a un jeune qui va être fini dans pas longtemps, je l'entends. Je vais fouiller après pour. J'ai cassé un totem normal. Hein. Je vais fouiller après les totems, comme ça si je peux enlever ruiner les morts. Il y en a deux qui ont été faits, c'est ça? Ouais. Dites-vous un truc, les gars, moi quand j'aurais perdu. Deux en feu et un normal du coup. Okay. Dites-vous un truc, les gars, quand j'aurais perso, je serais déjà niveau 15. Hein. Sans besoin de le monter, je l'aurais déjà monté. Ouais, mais ça, je crois que ça se conserve pas du PTB. Je ne sais pas.
T'es sûr? Ouais. Moi je ne crois pas. Hein. En même temps, ils ont. En même temps, j'ai adrénaline. Dans ma toile, j'ai adrénaline. Tu as les deux totems en feu. Se réécoute. Il est sur moi. Ok, ben je vais la save. Il est pas loin, hein, ce chien. Il proxy camp un peu, hein. Oh, mais oh mon dieu. Ok, en fait, il m'a eu pendant que je tombais. T'imagines? Incroyable. Une vraie pute. Incroyable. Oh. Il y en a deux qui font un jeûne, t'as trouvé un totem je crois. Ouais. Bah j'enlève l'immortel, il ne restera plus que ruine. Oh Roy, oh, j'ai même pas vu, il y en a un qui vient de s'abonner à la chaîne. Royto, bienvenue à la chaîne. Oh 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 oh. Ça fait plaisir. Ok, j'ai trouvé le dernier. Pourquoi mes alertes ne marchent pas quand... quand je lance comme. Oh bah, je fais le jeûne des toilettes du coup. C'est bizarre quand même ça. Je vais vérifier si la vierge de fer. Il l'a pas. Bah voilà les gars, je suis à 89 du viewer. Il a immortel ruine, c'est tout. Mmh. 89. Pourquoi mon arrêt si la noix n'y a plus. Pas le save. Hein. Il est à côté de moi. Il est sur moi. Je vais aller save. Sans moi. Ah. Il m'a vu. Ah, proxy camp plus, hein, frérot. Oh, il la campe. Je vais sauver, Oh mon dieu, mais il me fait que de me buter, j'en ai marre. Hein. Pas trop chiant à affronter à faire ça. Voilà. Mmh. Ah, quelqu'un a fugue. Mais là, c'est vraiment une map pour lui en fait. Donc, sois pas follow and follow là. Follow moi et je te follow. Ça, c'est sûr, c'est hors de question. Ça. Ouais. Oh, vraiment? Coudé. Ah. Tu veux que je te soigne? Ouais, tu peux, ouais. Ah, il est arrivé. Bah, je me soigne alors. Hein. Ah, frérot, il abuse. Il est en frénésie, vraiment. Il est pas en frénésie. Ah, mais ouais, mais putain, mais vas-y quoi. Première fois qu'il me voit, il est en frénésie, nique sa mère. Mais c'est quoi frénésie? C'est quand il lance ses couteaux super vite là, tu vois. Ouais.
Il y a une phase où il peut lancer ses couteaux très 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 vite. Il a plus de totem, hein. Ouais, il y en a plus. Ok, sur la... C'est quoi, je sais plus, c'est... non, c'est pas Jane, c'est comment, je sais plus. Moi, je crois que c'est Jane. Ah, bien, c'est tombé. Ah non, ok. Bien revenu. Ah non, en fait, il a lâché, il est revenu. Mais putain, mais vas-y, mais... Déjà, t'as l'un des personnes plus chiants à affronter et tu viens camper. Il m'a vu. Ces couteaux ils sont en jaune quand il active la frénésie. Bon par contre j'ai passé P2, ça me casse les couilles. Tout le monde suit mon calme. Oh, je suis mort. Quel enfer quoi. C'est qui Art Vicente dans le jeu? Le dernier perso de Smash sort. Oh mais non mais faut arrêter de se cacher dans les casiers hein. Quoi Smash tu vas reconsentir des persos? Il y a un dernier ouais. Ça va être qui? On sait pas. Ah merde. Ah non, je suis tombé dessus. Ah bah merci de dire merde quand j'arrive, c'est sympa toi. Oh. Bon, merde, il est là lui. Fais chier. Attends. Alors, est-ce que Jérém serait en train de se plaindre alors que tout à l'heure, je lui ai demandé, il m'a demandé si je serais là aujourd'hui. J'ai répondu pour, avec un point d'interrogation, puis suivi d'un Aether, point d'interrogation, auquel il m'a répondu ou Rogue ou Nudes. Et t'as répondu Nudes, hein? Bien sûr! Je suis soigné, hein. Ça veut dire que cette personne qui dit eh merde que je suis là est en fait un charreau qui n'assume pas qu'il voulait mes suites photos de fesses. Ou de mon pied, comme d'habitude. Les beaux pieds. Mais, Brandon, tu sais que. Tu veux savoir? Brandon? Ça parle de pied en plein live, les gars, bravo! Tu vois ma compétence favorite conçue pour durer? Oui. J'ai regardé quelqu'un, il a fait un test. Tu sais, avec. Tu vois ce que j'avais écrit pour son rework? Ouais. Alors, il a testé avec une trousse violette, plus les totems, qui d'ailleurs, les totems bénis, les auras se stack. Voilà. Tu sais combien de fois il a pu se soigner au total avec la trousse de soin? Dis-moi. 24 fois. Ah oui, what? Et un 1%, un pixel, c'était 25 fois. Voilà. Et par contre... Le gène en haut, là, qu'on faisait, il est bientôt fini, Greg. Ouais, moi aussi, moi, il est plus de 3 quarts, là, il est vers la fin. Tu parles du nouveau perso, de DVD? Bah ouais, mais en fait, moi et Brandon, on est un peu des mathématiciens, des stats et des trucs, du coup, on sait déjà tout. Mais du coup, en gros... Dany, voilà. En gros, Dany, avec si tu cumules le rework d'une des perks de Félix, tu peux te soigner 25 fois, je pense, si tu fais que des excellents en une seule partie avec la même trousse de soins. Voilà. Quoi sur la nouvelle survivante? Non, avec situé dans une des zones du totem de la nouvelle survivante. Ouais. T'as 50%. En fait, oh, imagine vraiment, que c'est pas de l'autre côté. Tu te soignes beaucoup plus vite et aussi t'as la capacité de te soigner sans avoir besoin de trousse de soins, ce qui est beaucoup trop fort à mes yeux. C'était très bien le boost de soins sans l'autre bonus. Ouais. Et une autre compétence qui s'appelle conçu pour durer de Félix. Qui va être rework parce que en fait personne la joue. Enfin, moi je la jouais parfois parce que je la trouve cool, mais elle va être encore mieux. Si tu combines les deux, tu peux te soigner 24 fois avec une seule trousse de soins. Et tu étais invisible aussi. Tu fais pas de traces. Je l'ai remarqué.
Oui, oui, mais non, non, ça c'est en fait, Dani, ça c'est son autre totem qu'elle peut mettre. C'est si t'es dans la zone du totem. Ça se cumule, hein, en plus. Ça se cumule sur les deux. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis que ça se cumule. J'ai dit tout à l'heure. C'est encore fort. J'ai dit ça stack. Oui. Par contre, tu sais ce qui est encore plus fort, Brandon? Tu vois le tueur quand il casse ton totem béni? Bah, tu peux le refaire. Oui. Voilà, oui. C'est ça. Bah ouais, je suis en... Je trouve ça complètement fou. Ouais, Brandon, parce que toi, ça aurait été logique que le tueur, il casse le totem que comme le tueur casse le totem, mais non. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux rebénir ton totem. Et ce qui est encore plus marrant, tu peux bénir un totem qui a une malédiction dessus. C'est vrai, ouais, je l'ai fait. Tu peux bénir un totem sort. Il est marqué que c'est que les totems neutres. Non, non, sort aussi. Ça a été prouvé en game. Ça a été prouvé en game PvE pour l'instant. Ouais, j'arrête. Moi, je peux te dire que moi qui est en train d'y jouer actuellement et qui est en train de streamer, si tu me crois pas, tu pars sur mon stream et je te montre. Mais on te croit, c'est de toute façon. Moi, je pense que Brandon me fait confiance quand c'est en termes de connaissance des BD. Mais du coup, par contre, Brandon, ça je n'ai pas pu vérifier. Je ne sais pas si le tueur casse le totem béni, ça redevient un totem malédiction, ou s'il est annulé, ça devient un totem blanc. Ça, je sais pas. Mais ça, c'est fort aussi, je trouve. Non, s'il est annulé, il redevient un totem sort. T'as pu le vérifier, ça? Ouais. Ok, tant mieux. Tant mieux, Brandon. Non, parce que sinon, ce serait trop pété. T'imagines, t'as un sort, tu vas... Mais en fait, c'est déjà trop fort, en fait. Enfin, c'est bien, mais... En fait, c'est comme si les devs se sont dit, ouais, les survivants ont du mal pour l'instant, il faut qu'ils soient plus forts que les tueurs. Les survivants sont déjà plus forts que les tueurs. Qu'est-ce que tu... Ah, des pumpkins. Et tu vois que même les tueurs, maintenant, ils ont autre, ils essaient de... Quand ils voient un totem, parce que eux, ils le voient aussi, tu vois, le totem purifié. Bah oui, bien sûr qu'ils le voient. Ils essaient de t'éloigner du truc. Et ça, je trouve que c'est une très bonne stratégie. Bah, bien sûr, de toute façon, c'est le but. Le seul truc qui est bien, c'est que les survivants peuvent voir de loin. Parce qu'en fait, il y a des sortes de petites particules bleues qui délimitent. Tu peux même vérifier toi-même, si à un moment, tu peux vérifier, si t'as le temps de vérifier. T'as des particules bleues en fait qui délimitent jusqu'où vers le totem, ouais. Jusqu'où est sa zone, mais le tueur ça il peut pas voir, et encore heureux sinon ce serait fort s'il pouvait voir les particules bleues. Mais par contre c'est trop fort qu'on puisse rebénir le même totem qui vient d'être débéni. À mes yeux le totem du tueur il devrait pouvoir être capable de le casser, ou alors tu peux bénir qu'un seul totem par partie quoi, mais une seule fois. Ouais, mais moi je trouve déjà que le perso va être bêta pendant un moment. Ce perso, en fait, ça va être beaucoup joué, en fait. Ça va être la méta, quoi. Ça va sûrement être méta. Oui, du coup, c'est méta, pas bêta. Ouais, non, De toute façon, je te prends en avant-gamma, espèce de gros bêta, quoi. Ouais. Non mais ça va être sûrement très fort joué. Oui, hein. Bah t'es de toute façon. Voilà. Déjà là rien qu'avec la version T, je me dis déjà, je vais le mettre sur Twitter aussi, et je vais dans le DBD et tout ça, sur Twitter. Tweet DBD behavior en mode what the fuck les gars, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, what, c'est quoi, ce nouveau streamer complètement pété quoi. Hashtag DannyBox. Je lance Rival. C'est Steve Dimitrescu pour info. Y'a pas de Danny ici. Ah, y'a pas de Danny? Ok, on va pouvoir dire que Danny est vraiment un fils de pute. Enfoiré! Enfoiré! Danny, il me casse vraiment les couilles quand il est là, parce qu'en plus, t'as beau lui dire 5 fois la même info, il écoute pas. Hein. T'es pas d'accord, Dimitrescu? je t'emmerde. Ouais, t'étais pas d'accord avec moi, mec. On peut parler mal de lui, il est pas là. Dead by Daylight Mobile. Dead by Legacy.
Mais moi je crois moi. Rogue Mobile. Moi je vais te dire honnêtement. Moi je vais te dire honnêtement, boîte au thon. Moi il n'y a pas de boîte de thon ici. C'est qui boîte de thon? Ici il n'y a que quinoa frais. Mais Greg, tu sais qu'il y a deux jours j'ai fait une énorme crise allergique au quinoa. Sérieux? Ouais, j'avais des grosses plaques de démangeaisons partout sur mon corps. Et du coup j'ai découvert que j'étais allergique au quinoa. Ah non. Mince alors, je ne pourrais pas manger du riz de sous-qualité. Mince. Je vais devoir manger du vrai riz maintenant. Oh ouf. Non. Le mec, les connards qui... Les mecs, les connards qui goûtent du quinoa et des lentilles, qui font « ça rend bon, bouffer du riz, hein. » Voilà. Ouais. Direct, pas de couilles, pour faire. Du coup, Jérém, je t'attends. Du coup, je mange mon riz en même temps. Ton quinoa frais. Bon, moi, j'arrive à la dédication, salut. Ciao, mec. Non, j'rigole. Tu te souviens, frère? Même c'est pas moi qui vous ai fait découvrir cette série, je sais plus aussi, hein. Je sais plus. Moi déjà moi je choque quand elle va sortir, je vais la jouer direct. Moi déjà rien qu'avoir la version bêta comme ça pour la tester, enfin moi je la trouve déjà hyper chaud. La version méta. La version méta ouais. La version méta. Ou si tu veux, dans le milieu, la version moteur. La version test. Après, ça dépend de quel diesel tu mets dedans. Tu mets quel diesel dans ta méta, toi, Dimitriscu? C'est pas... C'est trop bien, toi, Dimitris Cube au cube. Arrête, parce qu'il y a encore des gens qui croient que tu te moques de moi, hein. Y'a des gens qui croient vraiment que tu te moques de moi, hein. Bah, mais y'a qui croit ça? Qui se dévoile à tout jamais? Ou qui se taise aujourd'hui? Il est pas dans la partie, mais je l'avais tantôt en partie. Là, vraiment, y'a qui croit ça? T'as un peu chié dessus, là, non? Je dirais pas les noms, je fais une balance, j'ai déjà trop dit. Brandon, il parle de qui, là, Danny? Tout ce que j'en sais, frérot. Enfin, non, skip. Je m'en bats. Non, mais vraiment, Danny, dis-moi, je m'en bats les couilles, ça me fait rire, moi, cette histoire. Je vais pas aller les chercher. Tristan. Quel connard. Tristan, le traître. Oh, mais attends, par contre. Et dernier. Par contre, aujourd'hui, il m'a bien fatigué. Hein. C'est bizarre. Mais je pense. Je pense qu'il se foutait de ta gueule quand il faisait ça. Ouais, mais avec Tristan, je suis capable de couler du n'importe quoi. Hein. Ouais, du coup, Brandon, je les avais vus aussi à quoi ressemblaient les crochets et les générateurs, je les trouve trop beaux. Enfin, toi, le crochet, il est épuré, c'est ça que j'aime bien. Mais par. Et bien sûr, je parle de bonne purée en disant épurée, mais le gel est incroyable. Après, Danny, je devrais pas te le dire, mais il y a des gens qui se moquent de toi. Qui? Ah, je t'en ai déjà trop dit, là. Sûrement parce que je lui ai balancé le espèce de con le plus sincère du monde. Dans la dure. Quoi? Frère. Oh. De rien. Non, non Danny, je rigolais, y'a personne qui dit des trucs sur toi. J'ai juste voulu. Je vois ma réaction en live en stream, moi, bien sûr. Vous commencez à me fatiguer, vous tous. Hein. Non, c'est pas toi, c'est Star. C'est pas toi, c'est pas Star. Ah ouais,
c'est toujours de la faute de Tristan, hein. Ça je clip. Non mais vous me fatiguez, franchement. Non mais t'inquiète. Yo, reformed Griffith. De toute façon, ouais, Tristan... De toute façon, Griffith, mais il est refait, en fait. De toute façon... C'est la version thaïlandaise. De toute façon, quoi? De toute façon, Tristan, on peut rien lui cacher, vu qu'il est sur, il est sur mon stream. Là, c'est pour ça que Tristan, j'ai toujours aimé, c'est un mec cool. Tristan, non, Tristan, vraiment un... Tristan, il est tellement cool. Eh, envoie une photo de tes orteils, STP. Si tu les envoies à lui, envoie-les à moi aussi. De toute façon, moi j'ai toujours dit Tristan, 10 sur 10. Putain, même s'il si dit, même s'il si avoue à Danny que je me moque de lui, je le pardonne. Ah ouais, il y a des chances, c'est juste sur ton stream, mais genre en mode fantôme. Parce que vu qu'il est en train de jouer à Among Us, ça m'étonnerait qu'il ait envie d'entendre... Alors c'est pas méchant que j'ai ça, hein, mais... Envie d'entendre Danny ou moi ou n'importe qui, alors qu'il essaye de se défendre ou d'écouter la défense de quelqu'un, tu vois. Ce sera un peu bizarre. Ça l'empêcherait de jouer à son paroxysme. Donc, du coup, je t'attends, hein, Jérém. On va juste afficher un... Ouais. Donc, qui veut jouer à rival? Bah, moi. Vas-y, je lance le jeu. C'est qu'il y en a, il a... C'est ce qu'il a mis comme... comme pseudo. Tryhard. Tryhard. In. PTB. Égal DC. Il y avait un D ou un T à la fin de Tryhard? Un D. Merci. Ça va, Brandon? Qu'est-ce que t'as encore dit, espèce de con? Brandon, je peux ton chapeau? De quoi? Ouais. Non mais j'ai pas compris ce que t'as dit en fait. D'accord. T'es un mec cool en fait. Y'a que des mecs cool ici. Ouais mais visiblement il est plus que les autres lui. Il veut même pas répondre à la question quoi. Tellement il est cool. Il a pas le temps. Y'a que des mecs cool ici. À part Vortex. Je fais partie du clan cool de Konoha. Ah, le vietnamien, bah ouais. Comment ça, le vietnamien de quoi? Ah oui, c'est vrai, le fameux clan vietnamien. Ils sont tous morts sauf un. Enfin deux. Depuis qu'il y en a un qui a tué tout le reste du clan. D'entrée de Jérém, ça. Putain, c'est trop dur ce défi, ça veut dire. Ouais, je suis d'accord, c'est trop dur. Ah, mais je dois.
toucher 5 personnes avec une seule frénésie de la Légion. Ah bah ouais, c'est trop dur. Hein. Tu es prévenu. Enfin, du moins, moi, je vais passer ma journée en ville demain si ça va pas faire. Bah. Tu travailles pas demain, Jérém ? Demain, moi, Jérém, je vais passer ma journée dans une maison de retraite à faire mon stage. Ouais, tu peux venir. Après, je suis chez ma meuf. Quel mec cool. Je suis un mec respectable. Tu travailles pas demain, Jérém ? Jamais. Jamais. Pourquoi le jamais il m'a mis bien. Jamais. Mais... un peu de polka là. Yes. Polka. Brandon. Oui. Tu sais qu'il y a des gens, ils se moquent de Mioxy. Ah bon? Ouais. Faut les enculer, mec. Ouais, mais je peux pas t'en dire. Je dis déjà trop là. Putain. Et tu sais que quand je dis trop, ben c'est trop. Trop c'est trop. Et j'ai rien que trop c'est trop trop. Comme l'aurait dit un grand physicien, peu importe la porte. Brandon, tu peux faire un partage vu que Jérém met 3 ans pour envoyer un fichier XL de sa bite. Voilà. Ma grosse. Il y a plusieurs grilles pour avoir des photos différentes, tu vois. C'est le fameux panneau XL de Jérém. Il est là devant la classe avec son bâton et vous voyez, ça c'est le côté gauche. Hâte de participer aux vidéoconférences de professeur Jérém. Tu es avec sa baguette devant l'écran, ça c'est ma bite, et là c'est ma bite. Ouais, elle est plus grosse que la baguette, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il fait une comparaison, il te fait comme ça en mode, vous voyez, regardez, de là mon coude à mon poing, ouais, c'est plus grand. Bon, je vais vous voyez, la taille c'est la même, mais pliée en deux, oui, ouais, effectivement. Alors, vous me ferez demain comme devoir, vous répondrez à la question. Est-ce que le diamètre de ma bite rentre dans le diamètre de ta mère? Oui, Jérémy, tu peux le faire. Enfin, non, oui, Quentin, tu peux le faire. Tout le monde est capable d'être diplômé. Tu peux le faire, Quentin. De toute façon, vous ne pourrez jamais être aussi épanoui que moi, vu la circonférence de ma table. Mais oui, c'est exactement. Ouais, mec, t'es en pleine épanouissance, ça se voit. Non, bah oui. Il est là comme c'est la mode, ouais, je suis pas lui là, ouais. Tu sais qui est épanoui? Le pain perdu. Non. Parle bien du pain perdu. Bah, je dis juste qu'il est. Je dis juste qu'il est épanoui. Non, mais. Tu vois, on l'a jamais retrouvé, tu vois, mais peut-être parce qu'il s'est épanoui dans sa nouvelle vie. Il est tombé parce que c'est pas suturé, mais d'ailleurs. Il était trop cool. Non, je pensais que je serais resté derrière. Ah putain, je suis tellement fatigué. Bah... Mais t'es fatigué tout le temps, arrête. Oui. Bienvenue au club, Greg. On me dit tout le temps ça. J'arrive. T'es tout le temps fatigué. Je t'attends. Mm-hmm. Voilà. Viens, on va dormir ensemble. Ok. Couille dans la couille. C'est de le faire. Et une poche de couille. Une couille dans l'autre couille, voilà. Let's go. On se tient là.
J'espère que vous êtes bien. On va continuer notre partie PVP. J'ai coupé le sur Discord pour pas être dérangé. On n'est pas dans le même jeu. Ils sont dans le même jeu, mais ils jouent normalement. Hein, ouais. Il y a une des pièces que je pense que c'est. Ouais, c'est celle-là. J'arrive pas à les dire. Je vais faire deux troisièmes. Donc, après, je rejoins mes potes. Histoire d'avoir toutes les paires. Et demain, on relance un stream normal. Normal. Ouais, je vais essayer de streamer demain. Je sais que je stream jamais le jeudi. Mais là, je vais faire une exception. Ou pas. Je verrai bien. Non, il y a vendredi aussi. Le week-end. Le week-end, je stream pas. Et là, j'ai un totem. Logiquement, j'ai un totem. Il y a un totem qui bouge. Ah putain, j'ai pas été malade. C'est une blague. Thank you.
Le totem a changé de place aussi, j'ai remarqué. C'est pour ça que d'habitude. Ici, on voit, il y avait un gêné, mais il n'y est pas. Du Fils, du Saint-Esprit, je te bénis comme le grain. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je suis arrivé, je suis arrivé. J'ai désactivé tout seul. Thank you.
peux te faire activer les armes qui est ta troisième par là. Vas-y, putain. Ça va. Va d'activer le totem. T'es pas des... T'es pas con en soi. Dommage, on avait bossé. Ah, j'aime pas trop cette pop. Ouais. On est concentré nous. Ah.
Ah merde. Oui, ça allait si loin. J'aime bien quand j'arrive à toucher en vertical avec mes débris, enfin en diagonale. Ça... Oui, de plusieurs trucs différents, ça, faut... ça dépend oui. À laquelle tu touches. Je sais, si j'ai tapé une fois en les envoyant vers le bas, mais à chaque fois que je les envoie en diagonale et que je touche, ça me remplit de joie. Je me dis, putain, là je suis un beau gosse. Attends, y'en a un, mais Sir Dimitriscu, Imus, Bio, Lucky Man. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Imus, Bio, Lucky Man. Ah, il a dit tu es quelqu'un de chanceux. Voilà. Thank you. Thank you. Bordel, est-ce que tu as besoin de plus de Ronald McDonald ou pas? Oh, attends, tu es parti. En même temps, c'est vrai qu'on peut pas tous s'appeler Sir Dimitriscu. Si, regarde, attends, je peux te montrer qu'on peut s'appeler Sir Dimitriscu, attends. What? Je la flemme en fait. Annulé. Style de sucre là, je sais pas quoi là. Non, j'ai la flemme en fait, j'étais en train de l'écrire et puis j'ai eu la flemme. Ah, tu te rends compte que tu as du respect pour moi maintenant, c'est bien. C'est même non, très bien. Tu as vu te rendre compte que j'ai plus de flemme dans mon corps que de sang. Non, dis pas de la flemme, y'a pas de flemme ici. Il est... C'est vrai, y a pas de Danny non plus. Si, c'est moi. Bah non, t'as dit tout à l'heure que Denis était pas là. Si, j'ai mal à mon oreille, c'est chiant. Sauf que quand je suis en live, j'aime pas qu'on m'appelle Danny, c'est tout. Enfin, si. Brandon, t'es là? On a plus personne. Brandon Kekler, il est où? Bah, il est mais plus là. Là, mais je joue. Je suis en open. Ouais. Ça te dérangeait d'arrêter de jouer pour me tenir compagnie à jouer français? Non. Mec, Personne n'a envie de te... T'as des obligations, Brandon. Ah ouais, lesquelles? C'est mon bébou, ouais. Le problème, c'est que là, Brandon, il remplit pas ses obligations de bébou. Voilà. Du coup, ma vie est vachement triste. Est-ce que j'avais fini mon riz moi? Ah non, je l'ai pas fini, trop bien. Ce serait trop marrant que tu viennes t'abonner à ma chaîne et que tu viens en style dessus. C'est trop bien. Je peux te follow mais pas de tabou parce que j'ai plus de thunes. Si tu veux, je vais te follow, attends, 2 secondes. Putain, il fait noir chez toi, ta caméra est tout en... Non, j'ai mis en noir et blanc, ouais. C'est normal. Ah, ça fait bizarre, voilà, je suis mis de follow. J'ai même pas un peu de valeur. Regardez. Toc chatter. Ah ouais, tu es Mioxy, c'est ça? Ouais, c'est moi. Pourquoi mon alerte ne marche pas quand... C'est quoi ce bordel? Ah, ça je pourrais pas te dire. Non, follower maintenant. 90, on est dans un pays français. 90 pour les Français. Je trouve que j'aime bien dire 90. De toute façon, 90, c'est le vrai chiffre à dire.
C'est les Français qui sont bizarres. Toujours. On est d'accord, les gars. Hein. C'est pas de leur faute, ils sont Français, de base. En même temps, on va pas leur demander de... On va pas leur demander... On va pas demander à une fourmi... à une fourmi à de comprendre les aigles. Ouais, c'était pas ça la face. C'est beau ce que tu dis, tu sais. Oh non! Oh! T'as fait le stress ou pas? Non, ok. Mais je pouvais remonter si je me suis déjà fait le coup. Je vois ça. Tiens, je peux pas me soigner? Si tu veux le meilleur coup pour Spike avec Crack, c'est le bas spécial. Lui il, fait, lui, il spike vraiment comme un coup. C'est son meilleur coup et il va spike encore mieux. Quoi. Non! Ah ouais, connard, t'en profites, hein, je peux pas me soigner. Mais c'est quoi ce. Ce. Les gens maintenant ils te touchent deux fois, tu peux plus te soigner, hein. Dans la prochaine map. Y'a des trucs. Oh putain, c'est une. Un caillou. Arrêtez, monsieur. Notre soin, bah évidemment, on va le soigner. Okay. Ah, ça va le truc. Celui-là il était pixel. Bah, en vrai, c'est que je t'ai mis auto pour le premier stock par contre. J'étais sans 0 quoi. Enfin, 198. Monsieur Spike, vraiment, essaye plutôt le Donby. 198. C'est encore plus merveilleux. Oh les gars, c'est bien de faire les totems, mais il faudrait peut-être penser de. À faire les trucs, déjà qu'on n'entend déjà pas le tueur. On l'entend maintenant. Dommage, j'ai pas réussi à faire suivre mon. Soyez dessus là mec. Ouh, j'ai volé où putain. Thank you.
Ah merde. Ah, pas bon. Je suis parti tellement longtemps. C'est tellement fort, hein, les totems. T'en as. Tu sais combien il y en a d'activés ou. Dans la partie où je suis. Combien? 4. Ah oui, bah chacun peut en mettre un, quoi. En une game, hein. Ah bah oui. Et tout le monde a la perte, hein. Non! Non, c'est pas les français, je voulais le ramasser! Je t'aurais acheté de manière encore plus honteuse! J'aime bien ce, c'est bien ce perso. Je suis mort. Bah, franchement, Légion est devenu pété, hein. Non. Comment c'est devenu pété? Au prochain DLC, il va devenir pété. Légion a pas eu carrément. Tu te rends compte, t'as créé une machine là. Oui. Oh, what? C'est que quelques sueurs qui ont subi de gros changements. Ouais, mais moi je peux te dire que. Je pensais devoir toucher avant, dommage. En fait, maintenant les. L'épidémie, l'esprit, le cochon. Le trappeur. Ouais, le trappeur, il. Le trappeur il est vachement pété, hein. Sinon le reste Et le cochon, encore pire, hein. Bah alors non, c'est juste que t'es un débutant. Non, tu sais pourquoi? Si. Pourquoi? Parce que maintenant quand tu démarres, t'as directement le truc sur la tête. Ouais bah il a plus de piège après. Donc t'as... Non. Il a toujours sa piège, hein. Il a toujours des pièges, il est même. Il a toujours les pièges. T'arrives dans la game, t'as le piège. T'as le piège. Je trouve pas ça pété, hein. C'est un add-on irisé, hein. C'est censé être fort, ça, les add-ons irisés sur les persos. Alors, aucun heureux qu'il a un add-on qui est utile, hein. Mais en fait, le souci, c'est les deux add-ons irisés sont vraiment trop forts maintenant. Parce que, je sais pas si t'as vu, c'était quoi le deuxième add-on irisé, mais il est. Incroyablement fort. C'est pas celui qui permet de que tu ne vois plus l'aura des trucs tant qu'ils sont pas activés. Merde. Non. C'est pire que ça, mais ça a changé. Hein. C'est chez le saut. Maintenant, donc il a l'autre add-on irisé, il a un piège en moins. Et t'as 10 secondes de plus pour enlever ton trap. Quand un générateur est fait, tu enlèves 10 secondes au minuteur par générateur fait. Donc c'est d'aller en fin de game, si elle met un trap en fin de game, t'as 50 secondes en moins pour faire ton trap. Oh putain, je tech aussi, hein. Je suis con. Quelle joie. Non mais mal cochon, c'est celui que j'ai affronté, pour moi c'est celui que j'ai trouvé le plus dangereux. Ouais, tu vois. Je trouve que... Ah, je suis d'accord avec ça. Par contre, je trouve que si tu es toxique avec cochon, c'est le truc le plus simple au monde. T'as juste à suivre un mec, il pourra jamais. Se retirer son masque, quoi. Et ça, je trouve ça horrible. Mais c'est, pour moi, c'est pas les. Ça met une minute en pause, hein. Oui, mais. Quoi? Ouais, bah, dors. Voilà. Ah ouais. Mais du coup, par contre, en quoi le trappeur est pété, bah, c'est pas bon. Trappeur, il y a déjà des pièges dans la map et en plus il en a 4. D'accord. Merci monsieur. Enfin, t'as été seul. Dans la map, je veux dire déjà dans le jeu. Hein. Et, des, les pièges, ils sont très très bien mis. Hein. Mais tu sais que je
Je suis désolé, mais. Par contre, il a des add-ons incroyables maintenant, le trappeur. C'est. Tant mieux, il a tout de la main. Bah, maintenant, il a un add-on, c'est quand. Quand le trappeur réactive un piège, si un survivant le désamorce, tu vois l'aura du survivant pendant 8 secondes. Ça, c'est trop bien, mec, il y en a besoin. Parce... Oui, c'est très fort. Par contre, David, tu peux me dire tous les arguments que tu veux, mais. Il y a un nouvel add-on qui fait que c'est le sac violet. À la place de lui donner deux pièges comme il y avait avant, c'est que il a directement tous ses pièges dans son sac. Ça c'est bien. Il a posé dans la map, il les a tous dans son sac. C'est trop bien. Ah merde, je pensais que t'allais. Ah, je suis mort. Oh, ok. Ah oui, il y a aussi un add-on qui fait que le trappeur ne peut pas être attrapé par ses pièges à ours. Tant mieux, je trouve ça terrible. Bah tant mieux, mais... Nouvelle add-on, le piège à ours se réinitialise 2 secondes après qu'un survivant s'en échappe. Ça c'est trop bien. Ah, t'as tellement été sauvé par les cailloux encore une fois. J'ai dit que je ferais ça demain. Il est 22h du soir, non. Calme-toi. Il a eu de bonnes choses, hein. On va pas se mentir. Oh, mais il avait besoin, il en avait besoin. Oh putain! Est-ce que t'as eu peur là? Moi je vais tryhard le PTB moi. Pendant tout. Okay. Par contre, voilà, Dani, maintenant je peux le dire sans être concentré parce que j'étais en plein fight, mais. Tu sais que si tu regardes juste par terre, tu bats le trappeur. Je sais. Je suis pas con. Pourquoi... Bah, je sais pas, tu dis que le trappeur c'est OP alors que. Enfin, je dirais pas que c'est l'un des plus faibles, mais tous les tueurs qui ont pas des compétences de déplacement sont vachement faibles dans le jeu. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Brandon. Ça dépend, la Légion elle a des compétences de déplacement et pourtant elle est weak hein. Non mais mec, quand tu vois les déplacements que c'est... Bah ça reste mieux que la plupart des déplacements des autres tueurs tu vois. Ça va, mais tu peux pas te défendre hein, face à tueur hein, faut pas oublier ça. Par contre, le père du truc, t'as sous la réserve, hein, avec elle, hein. En plus. Elle a vraiment sous la réserve, vraiment c'est pété, hein. Quand tu fais le totem... Moi quand il me parlait tantôt, j'ai dit ouais, comment ça se fait qu'il y a des joueurs qui tassent déjà le nouveau perso, je fais comme ça. Et on m'a répondu, ah bah ouais, c'est le PTB. J'ai dit comment ça, qu'est-ce que le PTB a voir là-dedans. Et après il me dit, PTB, tu confonds avec quelque chose d'autre. Bah ouais, PTB, partie des travailleurs belges, moi je pense. Oula. Et puis j'ai été voir sur Google et finalement c'était ça voulait dire public partie publique et un autre mom qui est parti sur le stream. Bon c'est quand même
T'es quand même confus, hein, quand même, on peut pas dire le contraire. Hein. Mon cher Stark. T'as gagné. Hein, Stark? Stark est dans l'appel? Vortex! Ah non, il est sur ton stream. Ah. What? Bon, ça, j'ai gagné, mais. Non, mais je compte. Mais je sais pas, c'était Vortex. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stark. Non, j'ai juste dit re, c'est moi. Non, je suis Kinoa frais maintenant. Du coup, dis-moi si y a des trucs que je peux améliorer dans mon gameplay. Je suis pas un expert en bousine. Mais... Par exemple, un truc que tu peux faire, si tu veux venir toi vers le haut, toi et que j'attends pour te parier, tu peux descendre, air dodge et attaquer, toi par exemple. Toi pour. Voilà, pour whiffer le mec. Et permettre de whiffer punition. Et un truc que tu devrais faire plus avec Crack, c'est ton Dunby qui est. Ton Dunby au sol qui est vraiment fort. Il permet vraiment de spacer super bien. Oui, attends, c'est. C'est la recovery mais vers le bas. Toi ce que tu utilises pour faire le plier mais vers le bas. Voilà c'est ça. Ah oui ça mais je te jure ça fait un moment que je le cherchais, j'arrive pas à le trouver. Bah en fait ça, la troisième corne si je la prends ça peut le start combo. Et le Dunby en l'air peut faire ça un gros spike de chemin. Ah oui. Oui mais faut que tu startes hein, vraiment avec. Faut que tu peux faire nerf en contre ou combat, pas de putain. Attends, je suis sûr qu'il s'est passé. Mais non, sinon sur la chaîne officielle de YouTube Rivals, tu peux voir bah, tous les rediffs et tu as très souvent des joueurs de crack. Très souvent, je te conseillerais d'aller voir ce qu'ils ont appelé. C'est des vidéos très courtes, généralement. Je te conseille plus de regarder le niveau américain, même si le niveau européen n'est pas trop dégueu, mais. Bah, il est beaucoup moins fort. Ouais. Je regarde ça, c'est n'importe quoi. Ah putain, oh, je sauvegarde. Par contre, j'aime bien sa compétence. Le détruit des totems, bah tu les bénis, c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est cool. Ouais, tout ça. J'aime vraiment bien le concept. Mais dommage que t'as auto-soin, que t'as auto-soin avec, Pourquoi c'est dommage? Non, mais non, je dis c'est. Parce que c'est pété! T'as auto-soin et t'as sur la réserve avec ces percs là, tu. C'est fort! C'est fort! C'est sur la réserve. Mais en fait, quand tu décroches un survivant avec le truc, bah t'es pas sur la réserve. Bah tu l'as pas avec cette avec les nouvelles perks quoi. Si. Ouais, ouais. Si. Non. Ah si. Non. Je peux te dire que si. Bah c'est juste que le gars il a pris la compétence sur la. Non. Mais non. De... Regarde mon stream. Regarde mon. Mais mec, on a regardé. Mais. Attends, parce que écoutez. Là par exemple t'aurais pu. Là, oh mon caillou. Mon caillou. Non. Mon caillou. Oh caillou. Je t'ai fini mentalement là ou pas? Clairement oui. Bah là tu m'as envoyé ton pilier. Si tu l'aurais cassé directement après m'avoir envoyé dessus, je serais mort en fait. Oui je sais mais. J'ai plus envie de famille. Oh bien joué ça. Putain le faire de crack quoi, c'est quand même un truc de fou. Quand tu prends deux pieds d'un caillou dans la bouche, qu'est-ce que tu veux? Le caillou. Même Ganondorf il en est chaud. J'aime trop ces vins parce que la musique est trop cool.
Dommage, sorry. Putain, qu'est-ce que je suis mis? Oui. Non. Oui, oui. Oh. Oh. J'ai pas réussi à... Tu as, avec ton caillou, tu as deux styles de projection. Tu as la projection avec B, avec ton spécial, ou la projection avec A, qui envoie plus loin. Ça peut bloquer le projet, ça. Non, mais c'est quoi, je suis la meilleure. Adieu. Caillou. Oh, j'ai eu que de stock, moi. Putain, on va traverser là. Non. Vas-y, j'ai déjà envie de retourner sur la map d'avant parce que la musique était trop cool. Quoi? Vas-y, j'ai envie de tirer la game juste pour que je vienne se passer, mec. Genre, comment? Comment ça se fait que genre j'étais derrière toi et tu m'as touché? Parce que t'étais au cas. Ta vol était pas assez grande. Je suis un peu vache français parce que. Vas-y, mec, je suis vachement déçu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je t'ai pété les dents comme tu t'es jamais fait péter les dents. J'aurais dû péter. Oh, non, je trouve une touche. Je vais me sauver. Je te prends un coup. Oh, alors pour moi ça. Sur sa map, on va mourir en deux secondes. Thank you.
mais touche. Oh, après je baille moi. Parce que tu bailles. T'es fatigué. Hein. Oui, c'est le principe de bailler. Oh, non, t'aurais dû prendre ce coup de poing violent. Vu que je suis pas prêt d'aller dormir maintenant. Voilà. Le caillou est sauvé. Tu peux cancel ton side B plutôt si tu rappuies sur notre main. C'est toujours bizarre. Pourquoi c'est toujours des discriminations envers les roues? Quoi tu parles? Bah tu vois là. Les choses que tu dis n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Si, tu vois le nouveau perso. Elle est rousse. Et alors? Y'a pas de discrimination? Bah si. Parce que dans la blague on dit que les roues n'ont pas d'âme. Ah oui, bah c'est... Ah oui c'est une sorcière. C'est vrai que dans une époque, au quotidien, vraiment les grosses comme une sorcière, c'est pas une blague. Je sais. Mais je sais, je sais. Je pense avoir plus de connaissances que toi, mon petit pote. Ah, on a rien gratte. Ça, je... ça reste à vérifier. Hein. Bon, t'inquiète pas, bon. Non, non. Crac, crac. Mais t'as ton air dodge, je sais pas revenir. Est-ce que t'as entendu mon cri de fond en mode crac, crac? Non, 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 arrête de faire le héros, arrête. Ouais, chacun son tour, je pense. J'aime pas cette map, je m'en souviens. C'est ma map préférée. Hein? C'est ma map préférée. Ouais, je vois ça. Oh, t'as aimé celui-là ou pas? Test map. Oh putain, mais non, c'est lui! C'est qui map pour que tu le détestes? T'as dit je déteste map. Je déteste cette map et je déteste le tueur en plus. C'est Jason. Qui? Jason. Non, non. Le trappeur OP. Non, c'est Jason. Jason. Malkenmeyer, pardon. Malkenmeyer, je me trompe. Ah oui, c'est le fameux Michel Myers. Mais je déteste. Ouais, il est facile à battre, faut juste faire attention. Ouais, il est facile à battre. Bah oh. Oui. Leader. T'en as d'autres des blagues comme ça? Ah, excuse-moi si tu es un débutant. Je crois pas que je suis... Je crois que je suis beaucoup moins débutant que toi. Ah oui. D'accord, si tu le dis. Bon, donne. Je me suis fait entraîner par le meilleur. Avec qui? Bah, Start. Je vois que ton entraînement laisse à désirer alors. Bah, je suis désolé, mais enfin, t'as combien d'heures de jeu sur DBD quoi? Bah, sur PC, j'en ai pas. J'ai très peu d'heures de. Sur DVD, mais sur PC, j'en ai pas beaucoup. Sur PS4, j'en ai joué quand il était sur PS Plus. Puis j'ai joué pas mal de fois sur le jeu.
Donc oui, je ne suis pas un débutant. Je suis un joueur d'expérience. J'ai fait des tournois, monsieur. Non, jamais. J'ai l'impression que tu es de mauvaise foi, du coup je peux pas gagner contre quelqu'un de mauvaise foi en fait. En fait, à mes yeux, c'est pas vraiment toi du Sadani, mais si à partir du moment où tu as encore besoin de conseils des autres pour savoir quelle perte tu dois prendre sur des persos, c'est que t'es toujours débutant à mes yeux, tu vois. Mais c'est pas grave d'être débutant, tu vois. Faut bien commencer un jour ou l'autre. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Oh putain, mais il est con! Oh mais il est con celui-là! Oui, il est con! Mais non, il voit bien que je joue un perso avec une paire qui permet de se amener tous. Lui, il défait une paire que... Voilà, ça c'est mauvais. Ah, tu sais, moi je me dis pas ça pour faire l'avocat du diable, mais par contre on peut pas tout savoir. Mais attends, non, là tu fais bien, attends, tu fais pas une bêta, tu fais pas une bêta publique pour dire que tu ne sais pas. Là, là tu te moques de moi là. Qui, hein. Okay, moi ou lui? Toi? Comment ça, moi? C'est pas moi qui joue. Moi, je suis en train de faire péter la gueule pour l'instant. Quoi? T'as pas touché ça? Mais non, bah, vraiment, genre, à mes yeux, je suis sûr qu'il y a des gens, ils savent pas. C'est... Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui jouent sur le PE parce qu'ils ont envie d'avoir les skins qu'ils veulent sur les persos. Sur le PT, sur le bêta de tu sais quand même bien que. Bah ouais, bah. C'est pas une blague. Le perso a vraiment sous la réserve. C'est pas une connerie. Bizarre. Bah t'as vu. Ça dure pas si longtemps que ça, mais elle l'a sous la réserve. Putain de merde. Il a fait tout cassage de mur et tout cassage de colonne vertébrale. Oh, j'ai pas les tout images, je vois pas ce que tu parles. J'ai entendu un overkill. Oh, Brandon. Je vais pas en profiter pour aller vite fait aller me laver. Genre. Tu reviens dans combien de temps? 1 minute, 15 minutes. Ah, je sais pas si j'ai toujours là. Je verrai si je suis motivé. T'es toujours en game tueur là, Brandon, ou pas? Attends, je vais quitter Razer pour l'instant. King's moment. Comment elle s'appelle le nouveau perso? Je dirai après. Attends, je vais voir sur DVD, nouveau perso. Je vérifie moi-même, ouais, c'est bon. Je m'en fous du nouveau tueur. Mais non. Plus qu'il n'y a pas de nouveau tueur, si, à part le. Non mais c'est parce que quand je mets new perso sur Google, ça me parle de Pinhead. Et moi je veux savoir c'est quoi le nouveau surnom, ça. Tu vas sur Google. Bah oui c'est... Ah voilà, Michaela. Voilà, Michaela. Michaela. Seul prénom. Oh c'est sympa, j'aime bien. Alors c'est quoi ces perks? Oui, on voit. Faut que je vérifie un truc vite fait. Ok. Ah!
Il me prend vraiment. Au revoir, Tao. Borrow time. Putain, je tombe. Putain. Toi, tu veux savoir les perks? Attends, je vais te l'envoyer. Non, mais c'est t'inquiète, je vérifiais juste le truc avec Borrow Time, mais en fait ils ne disent pas. Je pense qu'il y a des chances, parce qu'en fait de base, ils voulaient faire un patch, parce qu'il y a tous les folks, c'est-à-dire les partenaires qui disaient que en fait sur la réserve aurait dû être de base un passif du jeu, dès que tu décroches quelqu'un, il est sur la réserve au lieu d'une compétence. Et si tu me dis que les gens ont sur la réserve, c'est que peut-être qu'ils vont enfin le mettre en jeu, et ce serait cool en vrai. Bon, ça va être chiant pour les tueurs, mais... ça permettra d'arrêter que les gens se fassent farmer. Et ouais, que ce soit ça. Possible. Bah, il y a tous les FOG en fait, les partenaires du jeu qui arrêtaient pas de dire sur le serveur Discord des FOG aux développeurs qu'il faudrait faire ça, ça et ça. Et même Darva était le premier à le dire et il osait pas. Et du coup... D'un côté, tant mieux si on a... pour tous les campeurs. Je pense que le problème, c'est pas les campeurs. Le problème, c'est les survivants qui te décrochaient devant le tueur pour faire des points et qui s'en foutaient que tu crèves juste après. Ils avaient déjà nerf ça en faisant... Non mais t'as pas besoin de m'envoyer, je connais les perks, t'inquiète Dani. Enfin, Dimitriscu. Ils avaient nerfé ça en faisant genre que tant que c'est pas un décrochage sécurisé, t'as pas de points. Mais ça change pas. J'ai envie de faire une game tueur. Je pense que je vais faire une petite game Nemesis, moi. Allez, une petite game Nemesis. Parce que là, je suis en train de tester la bêta de la prochaine mage, là. Je vais bientôt finir la mienne, monsieur de game. Hein. Bah, alors en là, fait, moi, j'ai un crochet à faire. Ok, bah, je t'attends. Bah, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, Randall, je te demande si tu joues et tu me répondais pas vu que t'étais concentré. Ouais, mais parce que je mute pour pas que vous entendez le bruit, sinon vous entendez les survivants engueuler. Bah, alors, en fait, ça montrait pas que t'étais mute. Je pense que c'est ton casque qui est mute. Ah non, c'est moi qui mute mon micro. Bah. Mon ennemi, j'arrête. Ça, si tu veux jouer avec nous, Dani, il vaut mieux que tu viennes sur le jeu de base parce que moi j'ai besoin de farmer sur le jeu pour la faille. J'ai pas fini. Moi, je dois. Moi, si j'installe le jeu de base, tu es bon à attendre pendant 2 heures parce que. Ah, bah, c'est installer le jeu de base. T'as eu le jeu de base avant. Ouais, non, j'ai dû le désinstaller pour installer la partie PTB là. Parce que sinon je peux pas la télécharger. Mais mec. Brandon. Brandon, j'ai pas les mots. Non, c'est vrai. Demande à. C'est ça qui m'a dit. Moi j'ai vu qu'il y avait des erreurs. Ça m'a dit non, désinstalle-le et installe la version. Je te crois, je dis pas que tu mens, c'est juste que je trouve ça stupide d'installer le PTB et de désinstaller le jeu de base, quoi. Je trouve ça bizarre. Pour tester l'exclusivité. Je sais pour tester, mais moi ça me casserait les couilles si je devais désinstaller mon jeu pour le réinstaller plus tard, si ça, même en plus que ça prend du temps. Moi j'aurais le somme. Moi ça m'aurait pas dérangé, ça me dérange pas, perso. Moi c'est pas dérangeant en soi parce que moi ça me fait de la matière, tu vois, sur mon stream, tu vois, donc je m'en fous, tu vois. Comme tu veux. En gros ça fait de la matière sur mon stream, donc ça me dérange absolument pas, tu vois. Ça me fait de la matière sur mon stream, ça fait de la matière sur mon Twitch.
Donc ouais, voilà, non, ça fait pas mal de matière là. Oh putain, Brandon, toi t'as combien de personnes que tu dois décrocher, personnes que tu dois décrocher, que tu as décroché de toi, qui t'ont décroché avant? Je l'ai pas fait encore ça. Décroché, moi je suis à 3 sur 10, tu as décroché de toi. Mec, tu sais que je suis niveau 48 de la fin et je dois retryhard, moi, pour la finir. Ça y est, j'ai appuyé à toi. Plus de 10, les gars, plus de 10 followers, je suis à 100, hein. Je suis à 100, hein. C'est pas à partir de 100 que tu peux qu'on peut commencer à faire des dons. Je pense que si. Okay. Non, mais tu peux. Mais à partir de 100, tu peux déjà être mis en avant par Twitch. Ok. Et si tu streams assez régulièrement, moi ce que je vais sûrement faire, je vais peut-être streamer demain si j'ai pas le seum. Si j'ai pas le seum. Enfin. J'aime beaucoup, monsieur, merci. Enfin, si j'ai pas la flemme, pardon. La flemme, non, la flemme. Je me trompe de moi, ouais, non. Je ne vais pas streamer si j'ai le seum. Oh, ça m'a mis bien, merci, Dani, ça m'a mis très bien. T'as fini ta game, là, Brandon? Ouais. Bah vas-y, j'attends pour t'inviter. Arrête de parler avec les débiles. Regarde-moi cette magnifique. Je sens que tu vas m'envoyer du sel. Attends. Tiens, je sens que tu vas m'envoyer du sel. Non, c'est juste un peu drôle. Mec, t'as aimé comment j'ai nommé ton Pokémon tout à l'heure? Je me suis TP, regarde où j'ai atterri. Ouais, j'ai vu le Karmaché. Le fameux Karmaché. Je vais déjà copier mes médicaments comme ça sera fait, moi. J'ai encore le temps. Ah putain, ça aussi c'est piteux. De quoi? En fait, t'as... Tu sais, tu peux bénir le totem, tu vois. Mais par contre, si tu le détruis, t'as un mode, en fait, qui te permet de voir où sont les générateurs, les coffres, tout ça. Je trouve que c'est vachement faible comparé aux deux autres perks. Ouais, non, les deux autres perks sont mieux, hein, faut dire honnêtement. Je trouve vraiment que clairvoyance, c'est le nom de sa troisième perk, je trouve vraiment qu'elle est nulle. C'est mon avis. Moi, je trouve qu'elle est nulle, moi. Elle peut être bien en situation, mais de base, je trouve qu'elle est nulle. Emma, ça. Attends, hop. Je me TP, j'atterris ici, je suis. Ah Tu sais que tu veux me battre, je vois rien. J'ai mon réparateur qui s'active. Tu sais que je vois rien. D'accord, ça arrive. Putain, Vomito, c'est vrai qu'elle est putain dangereuse maintenant. Enfin, après, c'est une mise à jour. Bah tant mieux parce que c'est mon main. Le tap il est un peu flippé. Tant mieux qu'elle soit plus forte la plague. Brandon? Ouais. Si je me trompe pas, parce que je crois que j'ai pas tout vu, mais la plague à part les deux items qui changent, y'a quoi d'autre encore? Quand t'as... t'as infecté, tu... t'as un malus de vitesse, donc réparation, etc. Donc qui va comboter avec thanatophobie, hein, évidemment. Mince alors. Et en deux, quand tu vomis sur quelqu'un, t'es plus lent, tu prends plus de temps pour faire un générateur. Et en plus de ça, tu peux pas te soigner. Non mais ça a toujours été comme ça. En fait, une fois que t'as atteint le niveau max de maladie... Quand tu fais ta purge d'infamie, après que tu... la charge, tu te déplaces beaucoup plus lentement, tu vois. Ouais. C'était 2,3 mètres par seconde, c'est passé à 3,6. Elle trace sa mère. Bah du coup, de base, Dimi, ça a toujours été comme ça. Hein. Une fois que t'as le taux de maladie qui est à fond, tu es brisé, du coup tu peux pas te soigner. Ça a toujours été comme ça avec la plague. Je vais pas te faire un défi. Vas-y, je te sélectionne.
T'as les médias dangereux. Quoi? T'as les médias dangereux dans la celle qui vomit maintenant. Je dirais que le jeu est pas mal. Bah tant mieux, hein, frérot, putain, elle était. Mais tu sais qu'à un moment, je tombais face à une team organisée, j'ai rien pu faire, hein. C'était horrible. Alors que c'est mon main, hein, ce tueur, la plague. C'est mon putain de main. J'ai rien pu faire face à eux, c'est horrible. Tu vas t'amuser avec, hein. Ah, mais je m'amuse déjà de base, hein, t'inquiète pas. C'est juste que. Faut pas oublier que parfois les particules du vomi sont très buggées. Genre, Brandon, tu sais ce qui m'arrive souvent avec la plague, moi, avec Vomito, comme il dit, Dimi. Ouais. Je vomis sur quelqu'un, il crie, et il n'est même pas infecté. Ouais, ouais. Ça m'arrive tout le temps, ça m'énerve. Pire, tu demandes à Stark pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai pas besoin de lui demander. Mais j'ai pas besoin de Stark pour le demander, j'ai autant de connaissances sur le jeu que lui. En fait, je t'explique, moi, Brandon et Stark, je pense qu'on est les personnes qui ont le plus de connaissances des BD de ce serveur. Je pense que j'ai raison en disant ça, Brandon. Genre, je dirais même qu'on est juste à force égale, tu vois. Moi, c'est... Il y a même des perks, je peux te dire les pourcentages à chaque niveau de ce qu'elles font, tellement je m'en souviens. Mais ouais, si j'ai besoin un jour de son aide, voilà. Upgrade, let's go. Mec, t'as vu cette TP? Ouais. Brandon, je me suis dit, ah, je vais l'attraper. Tu sais, tout à l'heure, j'étais au Pixel pour jouer à des jeux aux échecs avec Anko, tu vois. Et il y a un type, j'oublie son nom, parce que de base, c'est le mec qui arrêtait pas de m'appeler Brandon. Et j'étais en mode, mais je m'appelle pas Brandon, je m'appelle Kevin. Et là, il arrive vers moi, il m'a fait un grand sourire, et puis, il a fait le signe du même en mode, il réfléchit, il m'a fait. Toi, c'est Kevin, c'est pas Brandon. Et je t'en mode, ah, bravo! Je t'en mode, waouh! Tu as mérité ton goûter du petit-déj, toi. Bon, moi, je vais arrêter mon stream, hein. Moi, je suis fatigué, je vais arrêter. Bah, bonne nuit, du coup. Donc, le chat, je veux dire, à la prochaine.